fermée. Ils nous ont vus venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai. Oh. Tu t'es fait mal? Non, mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Tu sens ça? On dirait une cheminée. Oui. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit. On s'en va. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge! Je vous le jure! Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge! Vous êtes des voleurs! Je vais vous couper en morceaux! Cours! Venez ici! On doit sortir d'ici! Là-bas! Oh, non, non! Viens! Vous êtes coincés! Là! Tirez-vous pas! Oh, il nous suit toujours! Cherche un moyen de sortir! Par ici, il ne nous suivra pas. Vite! Un garçon et une fille. Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, vite. Ils sont fous. Quel gâchis. Tu vas faire quoi avec notre viande et notre miel maintenant, hein? T'es mort. Il faut nous tuer. Non, ils ne nous verront pas. Mathias, viens! Ils ont salement amoché le grand-père. Non. Amicia, Amicia. Grand-père. Oh, c'est pas bon. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Ouais. Veille sur lui en attendant. Quel bon sang! Seigneur! Arrête de pleurnicher! Il y en a sûrement encore aux alentours! Va aider les autres! Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre! C'est... Il bougera pas! Où est ça? Je m'en charge. La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'ils viennent ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Cinglé. J'avais juste besoin de boulot. Il faut que je sorte d'ici. Quoi encore? J'ai besoin de sommeil.
encore quelqu'un qui se cache? Va-t'en, on se dépêche. Les intrus, à l'attaque! On fait quoi, Amicia? Seigneur. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Je t'en cherche. La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'ils viennent ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Cinglé. J'avais juste besoin de boulot. Il faut que je sorte d'ici. Ah. Encore quelqu'un qui se cache? Va-t'en, on se dépêche. On retourne à la charrette et on s'en va très loin d'ici. Maman va être très en colère. On ne lui dira rien. On partira dès qu'on arrive à la charrette. Il est où ce petit merdeux? Tu devais monter la garde! C'est ta faute, tout ça! Il va falloir qu'on crève! En silence! Donna! Ramène ton cul ici! Là, là, ici. Démolir! Oh non! C'est la maison de Donna! Peut-être qu'il n'est pas encore rentré. J'espère. Quelque part. Amicia, les pots, ça pourrait marcher. Si je le lance derrière lui. J'ai une hache, je vous préviens. Que les saints protègent. D'accord, j'ai des hallucinations. Pitié, dites-moi qu'on peut sortir par là. Oui. Non, ils l'ont fermé. Il y a peut-être un autre chemin. Il y a un passage, là. Oui, je peux aller de l'autre côté, ouvrir la porte. J'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. D'accord, mais fais très attention. T'inquiète pas. Pitié, ne te fais pas repérer.
la plus grosse erreur de notre père. Mais je vais arranger ça. Arrête! Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu. On s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Mais le garçon... Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu cherches Castro.